Ok, re tout le monde, mon space a planté en fait. Carrément. du coup, pour le coup, je le relance. Mais ouais, ça m'a fait un message d'erreur pendant le chargement en fait, et ça m'a coupé le Twitch. Mais je pense savoir pourquoi. C'est en fait, j'ai le truc pour enregistrer qui est lancé. Et c'est tout simplement ça qui me nique ma truc en fait. Mais ne vous inquiétez pas, je vais relancer. J'espère juste que je vais pas devoir tout recommencer. Ça pourrait être continue game. Ouais, normalement ça passe. Normalement ça passe. Donc déjà là ça tourne, c'est déjà bien. Ah, vous que je vous ai un petit peu manqué quand même. Vous pouvez me le dire, vous savez. On est un peu intime, on est tous là, tous ensemble. Bougez pas, je reviens, faut que je me déshabille. C'est bon, je suis déshabillé. Alors, allez-y, le chargement, allez-y. Ah oui, déshabille-moi, mais je ne mets pas la webcam, je la mettrai la prochaine fois, mais là, je suis... J'ai trop vous excité, en fait, donc je préfère pas, et ça va attirer trop de monde, et voilà, j'aime bien quand c'est un peu intime. Mais la prochaine fois, promis, je vous mets la webcam. Oh putain. Bon, c'est long le chargement. J'ai pas ce qui... J'espère qu'il va pas me replanter. J'espère pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Viens danser avec moi. Oh ta gueule. Et ça me touche vachement quoi, vous êtes là à me regarder alors qu'il y a la reine des neiges. Oh. Ouais, alors franchement là, grand respect. Grand respect. Kintsugi, vous inquiétez pas, j'enregistre ce que je dis. Bah t'inquiète pas, ça va être rediffusé sur ma chaîne. Ah, au fait. Petit message à Carmen du coup. Parce que ton homme m'a parlé tout à l'heure et elle m'a dit que tu suivais ma chaîne. Donc merci à toi, ça me fait super plaisir qu'une fille suive ma chaîne. Bon après d'un côté je suis irrésistible, c'est vrai, mais voilà, il m'a parlé de toi, donc voilà, je souhaite à te remercier de me suivre et d'avoir fait ton homme en abonné. Si seulement tu peux faire ça aussi à tous tes potes, et à tes copines surtout, très important. En tout cas, merci à toi. Alors attends, qu'est-ce qui me veut là? Ok, voilà. Ok, on est reparti. Go! Geronimo! Attention, et quelqu'un derrière. Ok, c'est bon. Ah, j'ai pas le look sans déconner. C'est un grand pas pour l'homme et un petit pas pour... Non, merde. Attention. Jackpact. Oh là, ça va me faire gerber. On arrive. On arrive. Ça me tue pas, ça serait carrément cool. Ok, nice. Donc, c'est quoi ce bordel ici, les gars? Qu'est-ce que vous avez foutu encore, putain? Eh, sans déconner, à chaque fois que je regarde un truc de mes abonnés, c'est tout le temps pété, quoi. Vous pouvez pas me faire des constructions un peu sérieuses de temps en temps? C'est encore Kensuki qui a voulu garer le vaisseau, là, regarde. Oh là là. Pfff.
Ok, mode mission 2 activated. Go to the control tower. Alors, je parle pas du tout anglais. Mais où quel est le contrôle? Ah, elle est là. Non, je taquine, hein, je comprends l'anglais. Oh, joli, toutes les vitres comme ça. Alors, ça, si un jour je fais une base sur la Lune, je veux qu'elle soit comme ça. Stylet et tout, tout en gris avec des vitres et tout, machin. Live support, on s'en bat les couilles. C'est beau. Et franchement, par contre, le design des bâtiments sont super cool. Alors, power online. La statue communication offline pour faire la communication. Live support fonctionning. Current crew 0. Ok, très bien. Très très bien. Ouh là là, le mode cinématique et tout. Ouh là là, le budget. Hey, vous avez vu un peu le budget? Bon, les portes merdent un peu, j'ai l'impression, non? Après, on est sur Space. Hein. Ah. Ok. Viens faire un bonhomme de neige. Le mode cinématique, pap, 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 pap. Putain, vous êtes tous à fond dans la campagne, les mecs, ou quoi là? Il n'y a plus personne qui parle sur le chat. C'est quoi ça? J'ai pas confiance. Ah, c'est ça que tu me disais, est-ce qu'il y a des ascenseurs? Donc non, ce n'est pas un ascenseur. Comment ils ont fait ça, c'est con? Comment ils ont fait le mode ascenseur? Tu dois avoir un moteur avec des roues en dessous, je pense. Et ouais, c'est tout en fait. Ouf. Ouais, parce que tu vois que c'est pas super stable encore. Oh, mais c'est énorme, mon gars. Ils ont fait un truc de fou. Oh là là. Ah, je vais en mettre plein mon caleçon. Oh là là, et les portes comme elles sont trop belles. Eh, ça fait plaisir d'être le meilleur youtubeur de Space Engineer hein, quand on voit ça. Hein. Comme il se la pète. Alors, j'aimerais changer ma couleur. S'il vous plaît. Ah, voilà, en noir. Eh ben voilà. On commence un peu à me reconnaître. Qu'est-ce que c'est ça? Comme ma... Exactement, Kensuki. Ah, ça pue la merde, ça. Ça déjà, j'ai vu dans le trailer bêta, ça pue méchamment la merde. Grave moins follower. Oh là là. Par contre, putain, j'aurais bien aimé voir le système de leur. Hop. Ah, ok, ils ont fait ça avec des propulseurs. Tout simplement des propulseurs. Ok, ils ont juste fait ça avec des propulseurs. Mais comme ils sont pas cons. Ah ah. Petit coffre secret. Eh ouais les gars, faut toujours s'intéresser. Voilà, plein d'aides munitions. Ok, ouais, en fait ils sont vraiment pas fait chier quoi. Mais ouais, le système est pas mal, fallait y penser. Fallait y penser. Hop. Bah, propulseur, c'est énorme. Alors, par où qu'on va passer? Est-ce qu'on passe par là? PewDiePie de l'espace. Ah, ça y est, Kensuki qui essayait de faire une mine. Tu vois? Tu vois ce qu'il a fait encore? Oh, par contre, oh là là, une base souterraine comme ça avec les lumières, pff, ça casse des fesses. Pour une fois que c'est pas celle de la copine à Kensuki. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Je surkiffe l'ambiance, les gars. Et les filles, du coup, pour Carmen. Tac-tac-tac-tac. Tac-tac-tac. Ouais, donc là, c'est si on vient de l'autre côté, je pense. Ouais, c'est ça. Ok. On peut monter. J'explore, hein. Je préfère explorer à la place de rocher, vous m'en voulez pas. Parce que je surkiffe l'ambiance.
Ça, c'est méchant, Kensuki, ce que tu dis. C'est méchant. Ouais, c'est pas gentil. Alors, est-ce qu'il y a encore un coffre caché par là-bas en dessous? Non, et je crois que j'y suis déjà allé en plus. Ouais, exact, j'y suis déjà allé. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vais faire ma fouine un peu. Oh, une raffinerie. Oh, avec un conteneur. Eh ben voilà. Petit réacteur, tiens, l'uranium ça sert toujours plus ouf. Ouais, franchement, pour la conception de map, ils sont vraiment bons. Oh, bah tiens! Quand on parle de Kensuki. Ah, ouais, franchement, la map elle est magnifique là. Et là, du coup, je sais pas du tout où j'arrive. Oh, Tara, c'est d'où je viens. Oh putain. Oh là là, la dépression quoi. Ok, d'accord, je vois à peu près. Super les gars. À mon avis, il y en a dans toutes les maps. Ouais, je pense qu'il y a un Kintsugi dans toutes les maps, effectivement. Bah écoute, on va essayer de les trouver. T'as essayé de trouver. Oui, il y a deux, il y a que Darkfly et Kensuki qui parlent sur le chat là. Tous les autres, ils sont morts. Vous êtes tous concentrés, vous faites waouh, c'est trop beau. Ouh putain, j'ai fait crever. Oui, bah c'est déjà beaucoup moins sensible que sur un serveur. Hein. Hop, 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 hop. Et je fais un propulseur. Ah bah tiens, deuxième Kensuki. Ok, le site est en bas. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a là? Je prends tout, moi je suis un putain de rat. Ah oui! Regardez si ça c'est pas magnifique, sans déconner les gars. Le poteau. Oh regardez, ah et ben voilà, regarde. Hop! Ça va déjà bien nous aider. Un fusil en rapide. Parce que là, je sens qu'il va y avoir des drones à la con. Tu vois, là, il y a la sauvegarde. Ça pue la merde. J'ai plus là. Hop, et là, ça pue la merde. Regardez. Le projecteur scan. Et là, oh mon dieu, des drones nous attaquent. Il a pris une poutre en pleine tronche encore une. Quoi? Quoi, des drones? C'est une blague? Comment s'y attendait trop pas? Outarasse! Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Oh putain! Oh, c'est violent. Merde. Oh, ils sont violents. Ils sont violents. Crève, 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 crève. Pourquoi quand je zoome, ça fait tout noir? C'est sérieux là? Ouais, medical room, au gueule. Je crois que lui, il est dead. Et c'est ça. C'est quoi qui m'a mis si cher, là? C'est quoi ce délire? Oh, mon jeu. Oh putain, mon jeu freeze. C'est quoi ce délire? Jeu de merde. Oh putain. 15% de santé. Alors, on va y aller doucement.
La lumière est... La lumière est très chiante. J'avoue que la lumière est très très chiante. Bon voilà, et de 1. Ça sert à rien de tirer aussi vite de loin. Comment vous doutez de mes compétences, les gars? Bon, par contre, après, j'avoue, des drones... Crève, bitch. Fire. Je vois pas tirer en fait. Crève, crève, crève. Alors c'est qui le patron? Alors les gars? Oh, vous étiez tous là? Ouais, Bibi va finir en pinceau et tout. Bah bah bah. Aise mon gars. Sans stress. Et tout? On va faire quoi du coup maintenant? Non, attends, me dis pas que j'aurais pu rusher ça dès le début, non? C'est quoi le délire? Faut faire quoi les copains? Ouais, j'ai... Ah! Tu as oublié que j'ai de l'explosif. Ouais, mais... Faut le jeter dedans? Faut le jeter dedans que je le fasse péter, c'est ça? Faut que je me barre, c'est tout? En fait... Ok, d'accord, mais en fait ça servait à rien que je me fasse chier à niquer les drones en fait. Vous êtes sérieux là, les gars? Et là du coup je vais en avoir partout dans toute la map. Oh, t'es sérieux? Regarde, elle va se rallumer cette pétasse là. Regarde, allez, vas-y, Taras. Ouais, t'as raison. Allez, ciao. Ok, super, super, super. Il revient l'autre. Oh putain. Oh putain, up pour les drones explosifs. Ah, pour les drones explosifs? Ouais, mais comment tu veux que je jette mes trucs d'explosifs? Je les mets au sol et je tire dessus? Ah, j'aurais dû les faire péter. Oh, Kensuki! T'as vu, il s'arrêtait là, lui. Ah, je suis allé plus loin que toi, poteau. Ah, là, il y a un plus la merde. Surtout que tu en as un 4. Faut que je monte, très bien. Ah. Du coup, je peux plus monter. Ah, bien. En fait, si j'arrive juste à péter le capteur, c'est bon. Wow. En fait,
En fait, j'ai compris pourquoi t'es mort là. C'est qui le con qui a fermé la porte? Oh putain, ah oh, non, sans déconner, t'en as encore un là. Eh hey, mais attends, t'as une drill. Attendez, je vais tâter un truc. Je vais tâter un truc. Oh là, c'est sérieux là. Ah bah voilà, moi je me disais que ça marchait pas ta merde. Ouais. Bon. On va essayer d'y aller comme des hommes. Où y est-on les copains? Putain, Taras. On fait des paris, savoir si Bibi se fait ken ou bien. Toujours pas mort son capteur là. Ok, et deux. Ça passe pas long. Vous avez le problème de... Wow. Vous avez le problème de lumière aussi, vous, quand je zoome? Attends, le genre là, ça passe pas, quoi. Et de deux. Ah. On va prendre le rapide, là. Voilà. On va prendre le rapide. On va faire un truc. T'es qui a tiré, hein? Oh la pute! Oh la pute! Non, je me suis fait ken! Oh, t'es sérieux? Oh, fais chier. Mais en fait, je pense qu'il faut rush directement l'élévateur et tracer, en fait. Je sais pas pourquoi je me casse les burnes. Mais en fait, je voulais poser les bombes et faire péter les drones. Et en fait, le team, il m'a carotte comme une bite, quoi. Vous l'avez aussi? Ok, bon, bah super, ça vient pas de moi. Bibi, je te ken, je heureux quand j'ai fini la mission 3. Eh ben, fais ta vie. Quand t'auras fini la mission 3, je serai déjà à la 5, de toute façon, je pense. Et en tout cas, je suis quand même bien surpris de la petite campagne. Là. Elle est fortement agréable. Hein. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. J'y suis sous les coups. On a imité Kensuki. C'est carrément ça, mon gars. Oh, par contre, les chargements, ils sont longs, c'est abusé. Quoi, je redémarre d'où, là? Ok. Ah, faut que j'attende que ça charge, je pense.
Eh ben écoute, hop, on rush l'élévateur, bah les couilles. Aise. Ouais les gars, c'est franchement pas compliqué en fin de compte. Run to your life. Ouais, c'est un peu ça. Your life, pardon. Par contre, je sais pas si c'est l'élévateur ou si c'est moi. Ah, mode, il will go maintenant, chaque soir. Oula. Ça pue la merde. Ouais, bah, super. Ah, ok, il y a une autre mission là, quoi. Oh, la balle. Par contre, j'ai l'impression que ça frise vachement depuis que j'ai refait le... Putain, je suis blindé en bouteille. Ah! Ah! J'ai déglingué ou pas? Ah! On va tirer doucement. Voilà. Ah, la biatch! Bon, elle est cassée. J'ose plus y aller en fait du coup. Comment ça sent la merde à plein nez? C'est pas grave, cours, 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 cours. Il faut que j'utilise mon jackpack. Vas-y. Feu, 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 feu. P. Ok, c'est parti. Oh putain, ça passe juste. Nice. Nice les gars. Hop et tout, on fait un petit salto. Non, vas-y, on va. On va arrêter de troller. Oh, il est stylé le vaisseau en plus. Bon alors. Pour faire clair, depuis le début, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, non, je crois que ça passe pas. Alors, on est allé dans une station qui se faisait attaquer. Du coup, ça nous a envoyé sur la planète, sur la lune qui se faisait attaquer. Du coup, on est parti dans l'espace pour tomber contre des rebelles qui vont nous attaquer. C'est un jeu de merde. ok, ils ont découvert un artefact d'origine existe de l'attaque. Putain, j'arrive pas le temps de lire. Ils cherchent à recouvrir l'artefact. La corporation... Ah! Ouais, bon, en fait, je parle pas anglais. Donc en fait, tout simplement, ils sont en train de dire qu'ils sont fiers de moi d'avoir que j'ai réussi à accomplir cette mission. Et que du coup, ils vont m'envoyer des chèques PayPal ou alors mes viewers vont tout simplement m'envoyer des sous. Voilà, c'est ce que c'est marqué dans la description de la vidéo après. Hein. Donc Running Camp. Donc là, on attaque le Running Camp. Bon écoutez, pour l'instant, la campagne se passe plutôt bien. Hein, je suis mort une fois. Je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer de me battre en fait. Clairement, tant que j'ai pas un bon truc qui tabasse, ça sert à rien. En tout cas, 9 viewers, merci à tous, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous follow les potos, et surtout ceux qui me connaissent pas, allez voir ma chaîne YouTube, parce qu'il y a plein de vidéos de Space Engineer, ça va vous plaire. Faut vous abonner. Et faut m'envoyer des sous. Envoyez des sous. Oh là là. Ce petit Space Engineer. Depuis le temps que je rêve d'avoir un Space Engineer stable, on pourra jouer en multi et faire des méchantes bases. Mais bon, ça c'est fou. Oh mon gars, je me mets sur une planète en mode squat. J'invite tous mes viewers. On construit une méchante base avec des méchants vaisseaux et tout. On contrôle toute la galaxie. Ah ouais. Ah ouais, ça serait bon ça. Ah, vous êtes passé de 9 à 5 viewers. Eh ben merci quand même. Oh là là, le pic quoi.
9 viewers, c'est bien. C'est bien. Bon, pendant le chargement, à part parler, par contre, j'ai pas grand-chose à faire. Parlez, n'hésitez pas à parler sur le chat. Ah bah non, ne parlez plus sur le chat, du coup. Ça recommence. Puis j'ai pas envie de parler avec vous, de toute façon. Ouh là là. Ah, par contre, c'est marrant le comment se passe le chargement, là. On voit que les détails se mettent petit à petit. Monde, mission, toi, running comme chargé. Ah ok, là je suis dans le vaisseau rebelle en fait. Eh ben écoute, Dark Fluffy, je crois que t'es tout seul. Ah non, il y a Dash. Alors attends, comment ça se dit? Zuash. Bon, je vais t'appeler Dash. Bonsoir à toi, bienvenue sur le stream. On est dans le vaisseau rebelle qui va se poser tranquillement. On peut pas aller voir les copains. Ouais bon, tu sais, j'ai ce qu'il faut. Hein. Oh là là, joli. Juste Zash. Ok, je vais t'appeler Zash. Si je n'écorche. Putain, j'arrive plus à parler. Si je n'écorche pas ton pseudo, pardon. Exit. Ah, il faut que. D'accord, faut que je. Oui! Ah, le mec, il me lâche comme une merde, quoi. D'accord. Au revoir. Je vais quand même mettre mes armes. Je sais pas que j'ai pas confiance en toi, poteau, mais. Un peu quand même. Alors. Oh, vous imaginez, franchement. Sur une petite base comme ça. Ça serait juste énorme, quoi. Ah, merci Zash pour le follow. Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Bienvenue chez les phoques. Alors, faut que je prenne les batteries. Ouais, sauf que je suis blindé comme une mule. Tac tac. Place batterie R. Ça se dit Zash comme badass. Badass Zash. Mec, je crois que t'es. Ça y est, t'es le mec avec le pseudo relou de la soirée. Ouais, je sais pas comment le dire, Zash. Badass. Zash. Ouais, pff, je sais pas du tout. Alors là, franchement, je t'avoue que... Besoin de plaques d'acier. Putain, mais m'emmerde, toi. Oula. Ensuite, tu prends le personnage, tu prends les animaux et tu commences à souder et tu fais des allers-retours. Za, le son se. Zas. Zas? Zas? Comme ça? C'est quoi ce viewer en mousse? Non, ce viewer, c'est quoi ce. C'est... Comment on appelle le mec qui fait le stream? Za, Zas, Zas, comme ça, Zas. Voilà, oui. Et les mecs, ils se foutent de ma gueule. Zas, d'accord. Badass, Zas, ok. C'est super dur à dire, mec. Non, ou alors c'est moi qui galère. Alors attends, je vais mettre les 4K, je vais mettre ça. Oh putain, mais j'ai un... Je suis con, quoi. Hop. J'ai un élite. J'ai un élite et je me fais chier avec le petit.
Zas. Putain, alors ça va me rester, ça. T'en as pas marre de faire des allers-retours. Hop. Oui. Alors attends, du coup, je vais reposer mes trucs. Tous les ah, les streamers, voilà. Eh ouais, mais t'es pas tombé sur le meilleur. Tu vas voir, je vais t'en faire apprendre beaucoup. Je vais prendre mes explosifs encore. Je vais prendre aussi mon mitraillette qui tire rapide. Et puis le reste, on s'en fout. Elle a de l'oxygène, c'est... Oui, regarde, hop. Casque off. Elle est où l'élévateur? Hangar intense. Et pour le GLS, Gravity Launch System, tu as commencé, tu l'as commencé sur Vistar. Gravity Launch System, c'est quoi que t'appelles le Gravity Launch System? Si c'est pour partir de la planète, oui, je l'ai commencé. Tous les streamers que je connais disent bien, ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est streamer, c'est ça que je cherchais le mot. Zas, ouais, mais moi je, ouais. Ça fait longtemps que je joue à Space Engineer. Oui, énormément longtemps. Et en fait, je sais pas si tu me connais, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube, tous les tutos de Space Engineer. En fait, t'as le lien en bas dans la description de ma chaîne. Donc, tu peux aller jeter un coup d'œil. J'ai plein de vidéos où je présente des vaisseaux aussi. Donc voilà, si tu trouves ma voix sexy et mignonne, tu peux aller t'abonner et regarder un peu ce que je fais, quoi. Mais je connais très très bien ce jeu, oui. Et là, je viens de signer avec Space Engineer France. Donc c'est un site de Space Engineer tout simplement qui reprend en fait le jeu. Enfin qui reprend l'ancien site Space Engineer France car elle a fermé. Donc voilà, je me suis mis en partenariat avec eux et je vais faire une série de tutos pour leur site justement. Donc voilà. On essaie de rassembler un peu une communauté FR. Qui est assez compliqué vu que le jeu n'était pas super stable. Mais là je pense qu'il va commencer à attirer pas mal de joueurs. Par contre, du coup, si ça t'apprend à jouer, je suis baisé parce que mes tutos serviront plus à rien. Mais bon, c'est pas grave, écoute. D'un côté, ils ont raison pour leur jeu. Hein. Ah. Vide, vide, vide. Statue repère requis. Ok, d'accord, ça va là en plus. Uranium storage. Transfert lingot. Oh là là, tous les lingots qu'il y a en plus. Et moi, je me fais chier à les garder depuis tout à l'heure. On en a parlé sur Discord, tu t'en souviens plus. Gravity Launch System. Attends. Tu sais, il y a tellement de gens qui me parlent sur Discord ou Steam, mon pauvre, et j'oublie tout. Attends, c'est si je crois que ça me parle en fait. Ça me dit quelque chose. C'est pas une vidéo que tu m'avais envoyée? Si c'était une vidéo de SLG, comment il s'appelle déjà? Alors le serveur français que je peux te conseiller, c'est le serveur de Magellan, d'où je suis pas en partenariat concrètement, mais voilà, j'ai une bonne ambiance avec eux, et franchement je te le conseille, c'est un serveur stable. Dark, ouais, si, non, j'ai pas fait par contre, mais ouais, c'est bon, ça me revient. Ouais, excuse-moi, j'ai tellement de trucs en tête. Hop. Winder Tool. Tu sors quel serveur, Zash? Putain, Zas. Hold Trishter. Ouais, j'ai plus de place, mec. Ok, ça passe, nickel. Il faut que je ressoude un truc, je pense. Dommage. Easy repair. Ok, c'est le gros qu'il faut que je répare. Ok. Repair art complète. Je disais que ça, je peux le compléter, hein, le truc. Hein. C'est un PV ou PVP? J'aime mieux PVP pour l'instant, comme je suis trop habitué au jeu. Et bah écoute, en fait, ils ont plusieurs secteurs. Donc tu commences, t'es dans une zone safe en fait, pour te faire un petit vaisseau. Et après, t'as des gros secteurs PVP. Après, bon, ils donnent pas mal de restrictions, malheureusement. Hop, lock. Super hydrogen level. Ah, nice. Et en fait, ouais, t'as plusieurs systèmes avec des planètes où ils disent que c'est en PVP, etc. Donc c'est vraiment un serveur complet, hein. Je te conseille d'aller le voir.
qui... Ah. Pourquoi il veut pas? Parce que il est comme ça. Ah, faut que je fasse de là-bas. D'accord. Mais bon, ouais, c'est un serveur qui est assez long, donc t'as déjà des méchants vaisseaux dessus. Hein, donc pour moi qui est un gros joueur, ouais. Ah, t'as mieux PVE, d'accord. Bah PVE, ouais, t'as une zone PVE aussi, mais moi je suis pas... Je préfère le PVP, après le PVE c'est sympa, mais quand tu commences à avoir un bon vaisseau blindé avec 2-3 mitraillettes, c'est torché quoi, le PVE, tu le torches, c'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Hop, allez, on va conduire le vaisseau. Ouh, il est bien équipé en plus. Ah ouais, il est super chouette, il a la classe, mon gars. Ok, en fait, ils m'ont déposé pour que je répare le vaisseau et pour que je puisse les rejoindre. Je pense que c'est un peu un délire comme ça. Ok. Ah ouais, d'accord, donc là, je suis en train de mourir, en fait, parce que j'ai pas refermé mon casque. Ok, et là, ça pue la bataille. Oh, ah oui, ça, c'est bon, ça. Serveur Galaxy Landry, je connais pas du tout. C'est énorme ce qu'ils ont fait là. Je crois qu'ils sont en kill à moi, les gars. Ah, excusez-moi, je suis en mode vraiment à fond là. Oh, comment je viens de prendre trop cher là. Hein. Je viens de prendre trop cher. Ouf. Non mais je peux. Il va mourir d'asphyxie aux commandes du vaisseau. Eh bien merci de l'avoir dit les mecs. Non, j'étais tellement dans le truc là en fait, je croyais que c'était parce que je me mangeais des missiles en fait. Ça va, ça. Par contre, franchement, petit scénario là, bien sympa. Kiffant. Franchement, bien kiffant. Si seulement ça pouvait être aussi fluide sur les serveurs. Oh là là. Et ben voilà, mission 4, finale confrontation. Et après, je crois que j'ai fini le. La campagne déjà? Non. Mais le multi sur ce jeu lag pas, c'est trop bien. Oula, si, ça lag énormément, mon pauvre. Bon, après, je sais pas si c'est ironique ce que tu dis. Je crois que c'est ironique. Après, si c'est sur ton. Si c'est un nouveau serveur, ça va pas laguer. Et dès que tu vas avoir trop de structures ou de raffineries qui vont tourner, le jeu il va saturer complet. C'est le problème. Mais ils ont déjà fait beaucoup d'améliorations. Franchement, là, ils sont en train de bien bosser dessus. Et si vraiment ça devient vraiment stable, ouais, ça serait du bonheur.
Mais croisant-moi mon expérience, dès qu'il y aura beaucoup de structures sur le serveur. Moi, souvent, quand je me connecte sur un serveur comme ça, au bout de 2-3 jours, je mets tellement de block timer, de machin comme ça, que je le sature. Malheureusement. Excusez-moi, petite pause flotte. Flingueuse, je suis codeur. Et j'avoue qu'Yves a bien taffé. Ouais, franchement, il commence. Alors, par contre, je sais pas si tu dois être au courant. Je sais pas. Tu sais s'ils ont passé le multi sur l'utilisation de double cœur ou pas? Parce que je sais qu'à une époque, en fait, ça tournait que sur un cœur. Donc, c'est pour ça que ça ramait à mort. Mais maintenant, je sais pas s'ils l'ont passé à plusieurs cœurs. J'ai un serveur avec des Gendans. 15 block timer, tant nickel. Ouais, mais c'est quand tu commences à avoir beaucoup de joueurs, tu sais. Et quand les mecs ils abusent, ils mettent genre 30 foreuses sur leur vaisseau. Ah ouais, donc déjà maintenant ça doit aller beaucoup beaucoup mieux, ouais. Carrément. Oh non, j'ai une erreur. J'ai une erreur. Donc vous inquiétez pas si le stream coupe, je relance. Ah, je crois que ça a planté là. Ouais, ça a planté. Ok. Je relance. Vous inquiétez pas. Eh ben écoute, Flingueuse, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Faut que je fasse non non toc toc toc, faut que je fasse continuer la game, voilà, tout simplement. Arrête de flinguer mon bonheur. Et je me demande si c'est pas le mode qui fait que ça me fasse l'écran noir. Bah écoute, je pense plus demain, flingueuse. Du coup, je sais pas si t'es un mec ou une fille. Flingueux, ça me paraît un peu masculin, ça en sortait flingueur. Mais écoute, j'ai mon serveur Discord que tu peux voir en dessous de mon truc Twitch. Donc écoute, je te laisse aller dessus si tu l'as pas. C'est gratuit, juste à cliquer. Et t'envoies le lien dans le. Ou t'envoies l'IP dans le blabla. Il vire, il bug la Skybox. Ah bah, tu vois, c'est ça. Ouais, mais je peux pas le virer vu que c'est de la campagne. Ok, t'es un mec. Oh, excuse-moi. Mais ouais, partage et je passerai plus demain parce que là après moi je vais aller me pioter. Parce que je me fais vieux et puis je me connais et si je commence à jouer sur un serveur, je suis mort. je préfère venir demain. Chargement de space. Ça me fatigue rien que d'y penser. Exactement. Et tu te fais vieux. Bah ouais. Qu'est-ce que je te dise? T'es pas le premier qui me le dit, bah. T'inquiète pas. Non, c'est que je commence le matin, je me lève à 5 h, donc le soir je ne veille pas trop. Et comme j'ai dit, c'est si je me mets sur un serveur, je sais que j'ai geeké jusqu'à minuit, donc je me fais demain. Je pense que vers les 16 h, je suis là, au moins je serai tranquille. Je peux prendre le temps. Après, pourquoi pas faire des streams sur ton serve, pas de soucis. Même un peu de pub sur ma chaîne YouTube, vu que j'ai pas mal de joueurs. On verra, on verra. Après, ouais, c'est vrai que le serveur Magellan, il est pas mal, mais trop trop bridé. Mais bon, ils ont fait un bon taf quand même.
Ah, je crois que ça charge. Oui, allô, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui en pense? Oui, je suis sur mon Discord. Alors, je ne suis pas connecté pour discuter vu que je Twitch. Mais sinon, oui, sinon je squatte mon serveur Discord. Sauf quand je Twitch, bien entendu. D'ailleurs, pour se faire un serveur Space Engineer, c'est dur ou pas? Non, c'est pas spécialement dur. Oula, qu'est-ce que c'est ce truc? Oh oh, une ogive. Ah ouais, ah là ça va piquer. Hein. En plus, avec des capteurs qui se dirigent sur notre vaisseau. Ouh, tchou 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 tchou. Aïe 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 aïe. Ah ouais, bah alors là, oh là là, le massacre. Ah, et n'empêche, c'est énorme le scénario. Ouais, donc pour se faire un serveur Space Engineer, non, tu peux en louer sur des sites directement. Après, le problème, c'est que moi, mon point de vue, hein, c'est que les serveurs qui te proposent de louer, en fait, sont pas assez puissants pour faire tourner des serveurs Space. Et c'est mieux de prendre un serveur dédié, en fait. C'est un peu plus cher, mais voilà. Moi, je le vois comme ça. Après, flingueuse, je pense que pour en dire plus que moi. Où c'est qu'on est? Oh oh, j'aime pas le truc qui arrive. Oh là là. Par contre, j'ai des méchants freeze hein, depuis le nouveau bloc texture, depuis que ça explose. Tac 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 tac. Mais c'est un pote à moi, non? Oui, c'est un pote à moi. Ok, super poteau. Ah, juste entre potes. Sinon, non, tu peux l'héberger toi hein, directement. Hein. Ton PC, hein, tu crées une partie et tu mets. Qui peut rejoindre, tu m'as mis et puis voilà, basta. Hein. Ah oui, le précision mode. Ah oui. Enfin. Enfin. Ah, ouais, bah, voilà. Oh, nice, un rover. Bon, il est pas aussi classe que celui que j'ai créé, mais bon. On va voir s'il tient mieux la route que le mien. Après, ouais, tu peux prendre un VR game, ouais. Mais bon, si c'est juste pour jouer avec 4-5 potes, moi j'en vois pas l'utilité. Limite sur une partie hébergée, c'est un bon PC, une bonne connexion, ça passe quoi. Après c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Alors. Ok, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais, bah forcément, il est plus stable que le mien, il avance pas. 50 km/h, je monte à 180. Non, tu veux pas, pas besoin d'ouvrir tes ports hein, en privé. Pas besoin d'ouvrir tes ports, tu as juste mis et non, ça va tout seul. Ça sera trop facile de te ramener. Ouais, carrément. Ah bah voilà.
Ouais, bon, je sais même pas pourquoi je m'emmerde. Les tours à l'auto, ça va bien faire son taf. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui a tapé. Ouais, c'est ça, flingueuse a tout dit. Je vous laisse parler, hein, niveau serveur, je suis pas super bien calé moi perso. Oh putain. Oh là là, magnifique celui-là. Hop, on va bien voir la porte. Quoi? What? You are dead? J'ai tapé à 20. J'ai tapé à 20 km heure. Oh non, dur. Ils sont sérieux là, les mecs? Merci Dark. GG boulet. Oh putain. Pour info, j'ai repris l'idée du mode MK de Magellan pour optimisation des blocs. Ouais. Ah, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais bon, par contre, là, tu te mets 3 jours non-stop à crafter un truc. Ouais, voilà quoi. Et 10 cas blocs par jour. Ah ouais, ouais, bon, toi c'est pareil, t'as bien filtré aussi. Hein. Ouais, t'es, ça, t'es obligé. Hein. Si tu veux garder un minimum un serveur avec une bonne sim speed. Hein. Ah, c'est bien ça. Piston rotor, pas de restriction. Après, c'est super buggé. Hein. Enfin, je sais que sur le multi, c'est super buggé. Bon allez, je reste une fois, si j'arrive pas, je vais me toucher. Me coucher. Ce qui n'est pas du tout pareil. Mais je viendrai sur mon Discord quand j'arrête le Twitch, promis. Promis, promis, je passerai vite fait te faire un coucou. Mais je viendrai pas jouer ce soir. Et en plus vous êtes méchant, vous êtes même pas follow. Ouais, ça c'est méchant. Alors que moi je suis gentil avec vous. Voilà, plante du jeu. Bon bah voilà, ça annonce la fin. Clairement. Mais bon écoutez, promis, je reviendrai plus tard. Enfin je reviendrai sûrement demain. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi sur Space Engineer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci d'avoir participé à mes fails. Allez, gros bisous.